Le coin du lexique, la circulation. 1. Observe le dessin. A. Associe le mot au numéro sur le dessin. On va lire le vocabulaire ou le mot. Un feu, un autobus, un vélo, une place, une moto, une rue piétonne, un trottoir, traverse. Au traverser, c'est un verbe du premier groupe, une piste cyclable, une voiture, un passage piéton, tourne ou tourner, c'est un verbe. Complète les phrases avec les mots deux étiquettes. Les mots pris deux étiquettes, on va modifier le mot pour être convenable avec la phrase. On va faire des changements pour adapter ce mot selon la phrase. Bruno et Noémie sont dans la rue piétonne. B. Il y a trois vélos sur la piste cyclable. C. Monsieur Roux monte dans l'autobus. Madame Dujardin marche sur le trottoir. Le feu est vert. Maintenant, phrase F. Eric traverse la place avec son chien. G. C'est la voiture du professeur de technologie. Stéphane traverse la rue sur le passage piéton. La moto tourne à gauche. On a complété toutes les phrases. On va voir les réponses à la page suivante. La phrase A, dans la rue piétonne. La phrase B, trois vélos. La piste est cyclable. Phrase C, l'autobus. Phrase D, trottoir. Phrase E, feu. Phrase F, la place. Phrase G, voiture. Phrase H, traverse. Passage piéton. Phrase I, tourne. Maintenant, les prépositions de lieu et le stylo bleu. Où est le stylo bleu? Exemple, le stylo bleu est sur le livre. Phrase A, le stylo bleu est dans le carton. Phrase B, le stylo bleu est sous le cahier. Phrase C, le stylo bleu est derrière la gomme. La phrase D, le stylo bleu est devant le tête-crayon. Phrase E, le stylo est entre le feutre. Maintenant, les lieux de la ville où tu vas pour. On a quelques activités. On a besoin d'aller à des lieux différents pour pratiquer ces activités. Par exemple, lire une BD, je vais à la bibliothèque. C'est la phrase A ou l'activité A. Activité B, faire du sport, je vais au club. Activité C, boire un coca, je vais au café. Activité D, prendre le train, je vais à la gare. Activité E, voir un médecin, je vais à l'hôpital. Activité F, faire du patin à glace, je vais à la patinoire. Activité G,
Regarder un film. Je vais au cinéma. Activité H. Voir des animaux. Je vais au zoo. Activité I. Manger avec tes parents à la maison. Activité J. Nager. Je vais à la piscine. Activité K. Faire une promenade. Je vais au jardin. Activité L. Voir des œuvres d'art. Je vais au musée. Les professions. On va deviner la profession selon ces objets. Exercice 5. Regarde ces objets et écris la profession. Quand on voit ces objets, on va deviner son métier ou sa profession. Par exemple, médecin, cuisinier, photographe, boulanger.